Aujourd'hui, je te laisse écouter le témoignage de Delphine qui est venue au Voyage Formation en janvier 2023. Elle est venue à la demande de son... On va dire, je sais pas comment te le dire, c'est son fournisseur officiel, c'est une entreprise avec laquelle elle travaille étroitement, c'est pas son employeur. En tout cas, Delphine, elle est entrepreneur, elle travaille avec cette entreprise-là, mais uniquement avec cette entreprise-là. Puis je te reviens après le témoignage pour te dire qu'est-ce qui a changé. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages formation en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bonjour, je m'appelle Delphine, je viens de Belgique. Alors de prime abord, quand j'ai choisi de partir en ce voyage, je ne vais pas vous mentir, moi c'était l'envie d'avoir le droit d'avoir un voyage que je pouvais déduire de ma société, parce que sinon, sans ça, jamais je ne me le serais permis. J'aurais culpabilisé, etc. Et là, je me suis dit, bah, ok, je peux le déduire, j'y vais. Et en fait, au final, tout ce que ça a pu m'apporter, autant d'un point de vue intrapersonnel, tout le travail sur moi-même d'un point de vue personnel, autant sur le point de vue d'entrepreneur, toutes les visions que ça m'a apporté, ça m'a amené des perspectives qui a fait en sorte que, en fait, c'est pas pour rien que je le déduis dans ma société. Ça a son importance et ça a son mérite et ça va apporter tellement plus. On ne se rend pas compte à quel point le voyage immersif et surtout l'expertise de Lucie et de tout ce qu'elle peut nous amener est nécessaire et vaut la peine d'être vécue. Et on ne va pas cracher dessus, c'est tellement bien. On le vit au soleil, on le vit dans les vacances, dans une forme où on est tous ensemble, on crée des liens exceptionnels avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Et rien que pour ça, ça vaut 10 fois le prix qu'on paye, même si pour la base, c'était juste déductible pour la société. Et donc, je le recommande à 200%. Comme tu peux le remarquer, Delphine venait avec aucune attente concernant la formation et qu'est-ce que ça allait lui donner le voyage. Ça faisait plusieurs années qu'elle ne s'était pas payée de vacances. Fait que pour elle, c'était des vacances où est-ce qu'elle se sentait beaucoup moins coupable parce que, justement, il allait avoir un volet formation et que, de prime abord, elle allait être avec son fournisseur principal, sa cliente principale, et qu'elle allait pouvoir ensemble travailler en dehors des heures de la formation. Écoute, à la fin de la formation, Delphine, en fait, elle a trouvé sa place, son rôle exact au sein de l'entreprise avec laquelle elle travaille. Elle a même trouvé sa zone de génie, où est-ce qu'elle, elle pensait, parce que, en fait, Delphine, c'est une spécialiste en gestion de risque et de la façon qu'elle voyait ça avant d'arriver dans la formation, c'est qu'elle voyait ça très négativement à chaque fois qu'elle soulevait le flag à son entrepreneur puis qu'elle lui disait « oui, mais attention, oui, mais t'as pas pensé à ça, oui, mais t'as-tu vu ça? » Et je lui ai expliqué que son entrepreneur avait fait les formations avec moi et qu'elle était au courant de qu'est-ce que c'était la gestion de risque. Puis une personne comme elle était très précieuse dans une entreprise parce qu'un entrepreneur qui voit toujours les opportunités ne voit souvent pas les risques de cette opportunité. Donc, ça prend quelqu'un comme elle qui va venir lever les flammes puis qui va venir dire à l'entrepreneur « As-tu pensé à est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu as mis ça en place pour te protéger? » Et ainsi de suite. Donc, elle a découvert c'était quoi son rôle, puis que c'était pas un rôle négatif, bien au contraire, c'était un rôle très positif qu'elle avait dans l'entreprise. Et durant la semaine, elle a cheminé sur la place qu'elle voulait prendre au sein de l'entreprise. Elle ne voulait plus juste être un fournisseur de cette entreprise-là, mais elle voulait s'impliquer dans l'entreprise. Elle voulait faire partie prenante de celle-ci et pas juste être un fournisseur externe.
Écoute, ça fait déjà quelques mois que le voyage est terminé et je peux te dire qu'ils sont en train de travailler ensemble parce que l'entrepreneur qui a suivi mes formations a découvert, elle aussi, qu'elle n'était pas dans sa zone de génie puis que Delphine pourrait reprendre cette place-là au sein de une des deux entreprises qu'elle a déjà, où est-ce qu'elle aurait un rôle beaucoup plus pondérant, mais beaucoup plus défini aussi. Parce que les rôles ont été faits dans le module, justement, le module là, de l'académie, où est-ce qu'on vient déterminer quel est le rôle de chacun et qu'est-ce que ça va être les tâches de chacun, en fait. Fait que tu vois, Delphine, ce voyage-là va changer le cours de sa vie, va changer le futur de qu'est-ce qu'elle veut, de comment elle le veut, puis qu'est-ce qu'elle va obtenir. C'est beaucoup plus clair pour elle où est-ce qu'elle s'en va. Et pourtant, la formation, c'était déléguer en confiance. On n'était pas dans la formation état des lieux de clarté, on n'était pas dans la formation des modules stratégiques ou de risque, on était dans déléguer en confiance. Mais elle a quand même découvert à travers tout ça, justement, quel était le rôle qu'elle voulait avoir. Puis elle a commencé des négociations avec son entrepreneur pour dire, « Hey, moi, là, c'est là que je me vois et c'est comme ça que je peux t'aider. C'est ça qui me drive. C'est ça ma zone de génie, en fait. » Donc, je suis très, très, très contente d'avoir vu l'évolution de ces deux entrepreneurs-là qui ont été avec moi dans le voyage formation, de voir leur évolution, le changement de 360 degrés qu'ils sont en train de prendre tous les deux, où est-ce que les deux vont se retrouver dans leur zone de génie respective, puis qui vont adorer ce qu'ils font, mais surtout qui vont adorer ce qu'ils font ensemble. Tu vois, ça là, c'est ma paye. C'est de ma paye de voir l'évolution, les étoiles dans les yeux, de voir les gens évoluer, changer, s'améliorer, retrouver le bonheur de travailler dans leur entreprise, mais de travailler au bon endroit, de ne plus se sentir submergé, de ne plus se sentir pas à la bonne place, puis pas en contrôle. Puis tu vois ça, là, c'est mon bonheur à moi, de voir cette évolution-là. Donc, j'espère que ce témoignage-là te parle à toi aussi, que tu te reconnais dans Delphine, qui est, ceci dit, en passant, un amour, même si dans sa tête, elle dit « Ouais, mais je suis toujours en train de chialer. » Non, tu fais une gestion de risque, tu chiales pas. C'est pas ça que tu fais. Et aujourd'hui, elle est repartie de ce voyage-là avec un grand sourire en me regardant et en disant « Lucie, il faut que tout le monde sache que ton académie et que tes voyages formation existent parce que ça change des vies. » Donc voilà, merci d'avoir été avec moi. Merci de faire partie de mon univers. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!